Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer la probabilité d'un événement d'une expérience aléatoire à deux épreuves. Une expérience aléatoire à deux épreuves, c'est une expérience aléatoire qui comporte deux étapes. Ici, on va lancer deux dés, c'est-à-dire qu'étape numéro 1, je lance un dé, disons un dé bleu, et étape numéro 2, je lance un dé, un autre dé, un dé rouge. Et ensuite, je fais la somme de ces résultats. Et on va considérer l'événement obtenir la somme de 7. Quelle est la probabilité de l'événement A? Pour déterminer une probabilité, ce qui ne change jamais, c'est de trouver toutes les issues possibles à l'expérience aléatoire. Et ensuite, trouver toutes les issues favorables qui font l'événement A, qui constituent l'événement A. Commençons déjà par comprendre un petit peu l'expérience aléatoire. On lance 2 dés et on fait la somme. Le nombre minimum qu'on peut obtenir, c'est 2, parce que chaque face du dé contient 1, le plus petit chiffre. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et le nombre maximal, ça fait 12. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 11 façons différentes, il y a 11 résultats possibles lorsqu'on fait la somme de 2 dés. Donc on pourrait dire que la probabilité de l'événement A, c'est 1 sur 11. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand on lance un dé bleu et un dé rouge, obtenir 7 ne s'obtient pas d'une seule façon différente. Il va s'obtenir de plusieurs façons différentes. Prenons par exemple, ici, 3. Si 3 est lancé avec un dé bleu et est obtenu en lançant un dé bleu et un dé rouge, le dé bleu peut tomber sur 1 et le dé rouge peut tomber sur 2, ce qui fait bien 3. A l'inverse, on pourrait avoir le dé bleu qui tombe sur 2, mais le dé rouge qui tombe sur 1. Ces deux résultats sont deux issues différentes de l'expérience aléatoire, mais qui donnent le même résultat lorsqu'on fait la somme. Si je prends 4, par exemple, 4 il s'obtient avec, bien sûr, 2 plus 2, mais dans le même principe, avec 1 plus 3 et 3 plus 1. Donc, pour déterminer toutes les issues possibles, il faudrait envisager qu'à tous les résultats qu'on a calculés, entre 2 et 12, trouver toutes les façons de les obtenir en lançant 2 dés. C'est peut-être un peu long. Il y a donc une astuce qui va fonctionner pour toutes les expériences aléatoires à deux épreuves. Cette astuce, vous devrez l'utiliser quand vous ferez des exercices, vous, en classe ou à la maison. C'est pour ça que je vais vous la présenter. Cette astuce, elle consiste à utiliser un tableau à double entrée. Comme celui-ci. Dans la première colonne, nous allons mettre les résultats possibles, les issues possibles du dé 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la première ligne, nous allons mettre les issues possibles du dé numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire la somme de ces chiffres que nous allons rentrer dans chaque case de notre tableau. Ces chiffres-là, ils vont apparaître ici. Voilà, on a rempli. On a fait 2 plus 1, 1 plus 2, 3 plus 1, 3 plus 2, et etc. On a rempli le tableau en faisant les sommes. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs chiffres les mêmes qui apparaissent, et c'est normal. Sauf que ces résultats-là, qui sont identiques, ils sont apparus de plusieurs façons différentes. Je regarde le chiffre qui nous intéresse, c'est le 7. Je les entoure tous. Il y a 6 façons d'obtenir 7. On peut regarder, le 7 est obtenu avec 6 plus 1, mais aussi avec 5 plus 2, avec 4 plus 3, et de façon un peu symétrique, 3 plus 4, 2 plus 5, et 1 plus 6, ce qui fait bien 6 façons différentes. Donc, pour calculer la probabilité de l'événement A, nous allons avoir 6 issues favorables qui composent obtenir 7, l'événement A. Il y en a 6 possibles. C'est les 6 qui sont entourés dans le tableau. Maintenant, il faut calculer le nombre total d'issues possibles à notre expérience aléatoire. Je lance 2 dés. Combien j'ai d'issues possibles? Quand je lance 2 dés, j'obtiens, comme je l'ai dit, le premier dé, ça peut être 1, mais le deuxième dé, ça peut être 2. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut aussi être 1. Et en fait, on s'aperçoit que il suffit juste de compter les nombres qui sont dans notre tableau. Donc, soit vous les comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui est un peu long. Soit vous savez, comme en école élémentaire, qu'il s'agit en fait de compter le nombre de cases qu'il y a dans notre tableau. Et comme il y a 6 lignes pour 6 colonnes, le nombre total de résultats possibles, c'est 6 fois 6, c'est-à-dire 36. À vous de voir, c'est vous qui choisissez comment vous trouvez le 36. Et évidemment, on peut maintenant, en troisième, simplifier cette fraction par 6 au numérateur et 6 au dénominateur, ce qui donne 1 sixième. Et donc on peut répondre que la probabilité
de l'événement A est de 1 sixième, qui est bien un nombre compris entre 0 et 1. Si on regarde maintenant la probabilité d'obtenir 2 en faisant cette expérience aléatoire, eh bien, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est 1 plus 1 qui est dans le tableau. Et donc la probabilité, c'est 1 sur 36.